Bonjour, cette vidéo pour te parler de l'oracle que j'ai créé pour travailler en fait quand tu es hypersensible et que tu veux travailler régulièrement et que tu veux t'aider toi-même. Voici le jeu que j'ai créé. Je m'appelle Eliette Wettstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont les maladies de la TCA, des TCA, donc boulimie, hyperphagie, anorexie, à dire merci et au revoir à leur maladie. Et oui, je dis bien merci et au revoir parce qu'en fait, cette maladie vous a soutenu, vous a aidé, vous pousse en fait à aller chercher des informations et du coup, c'est les remercier, enfin prendre en compte en fait tout les bénéfices qu'elles vous ont apportés, bien sûr, aller faire ce qu'il y a à faire, mais pour pouvoir agir autrement qu'avec des TCA, parce que mine de rien, c'est quand même super pénible comme maladie. Donc, mon jeu. J'ai créé donc le jeu d'oracle qui s'appelle Sésame, ouvre-moi. Ce sont en fait des photos de portes, des heurtoirs de portes. Hop, par exemple celle-ci, ce sont que des heurtoirs de portes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et c'est impressionnant en fait la quantité de heurtoirs de portes qui existent et de tous les styles. Et donc en fait, ça fait des années que je prends en photo des heurtoirs de portes quand je voyage ou quand je suis en déplacement. Et quand j'ai voulu créer en fait, voilà, je vous en montre quelques-unes, mais quand j'ai voulu créer un oracle, je pensais dessiner, je pensais faire de l'aquarelle, faire des collages, et puis très rapidement, je me suis dit que non, ça allait pas être mon truc, je ne sais pas faire, alors oui, on peut le faire à l'instinct, etc., mais ça me parlait pas, et puis je suis retombée dans mon appareil photo, en fait, sur toutes ces photos que je fais de poignées de porte, et là, ça a tilté, je me suis dit, ouais, les photos de heurtoirs de porte, pour moi, c'était très clair que ça venait. En fait, chaque carte vient ouvrir une partie de vous qui est blessée ou qui a de l'énergie qui est coincée ou il y a un truc qui n'a pas été exprimé ou il y a quelque chose qui a besoin d'arriver à votre conscient. Et donc, en fait, c'est vraiment comme des portes en fait, que vous ouvrez et vous allez chercher ce qui est dedans. Et après, vous pouvez refermer ou laisser ouvert, mais en tout cas, d'aller débloquer des choses à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous. Votre corps a les mémoires de tout ce qui vous est arrivé, de tout ce que vous vivez. Et votre corps, il est intelligent. Il a besoin d'exprimer, il a besoin de ressentir. Et surtout, vous qui avez les maladies de la TCA, vous avez besoin d'intégrer dans le corps tout ce que vous savez déjà, mais intellectuellement. J'ai une personne, en fait, quand je lui ai dit que je travaillais avec les personnes boulimiques, hyperphagiques, anorexiques, elle me dit « Ah, la maladie des filles, hein, après c'est repris, il a dit des femmes, mais des filles intelligentes, mais trop jolies. » Je dis « Ah, c'est une jolie manière de voir cette maladie. » Je pense un peu, je suis un petit peu d'accord avec ça. Mais du coup, c'est trop intelligent, en fait, vraiment intellectuellement. Et du coup, on a oublié que notre corps a son intelligence aussi et que notre corps, c'est par lui, c'est avec lui qu'on est sur Terre, c'est notre véhicule terrestre et il a énormément d'informations à nous donner, il a énormément besoin qu'on l'écoute et qu'on agisse avec lui. Du coup, ce jeu que j'ai créé me permet pendant les soins ou pendant les accompagnements ou quand je fais des tirages, vraiment juste des tirages, ou vous, parce qu'en fait, j'ai pas mal de mes clientes qui l'achètent, ou d'autres coachs, d'autres thérapeutes, en fait, pour pouvoir l'utiliser vraiment au niveau émotionnel et corporel. Ça vient, en fait, révéler une information, donc mettre dans votre conscient une information auquel vous n'aviez pas pensé. Et ça vient faire des liens aussi entre, ah oui, ça, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça, ou qu'est-ce que je peux lâcher, ou quelle est l'énergie dont j'ai besoin là maintenant. Et en fait, les cartes, je tirais le tarot de Marseille avant, mais maintenant j'ai ce jeu-là et le jeu de mon amie Caroline Verdier, d'une rive à l'autre. Les cartes, en fait, ne parlent pas à votre mental.
Les cartes, elles parlent à votre corps. Les cartes, elles ont une énergie en elles-mêmes, en fait. Parce que quand on a canalisé le dessin ou l'image, ou ouais, le dessin, l'image, la photo, et qu'on a canalisé en fait le mot qui va avec, il y a une énergie en fait qui se dégage de l'ensemble. Et cette énergie, en fait, quand vous la voyez, parce que là vous n'avez pas encore le jeu, mais quand vous avez le jeu, vous pouvez travailler avec les cartes en elles-mêmes. Dormir avec, vous promener avec, enfin vraiment l'avoir dans votre sac par exemple. Les cartes ont une énergie en elles-mêmes et vont travailler directement avec votre corps. Donc quand on fait un tirage de cartes, ou vous, quand vous faites un tirage de cartes, bien sûr qu'il y a un petit peu de compréhension mentale qui se met. Faites fun, plaisir, créativité. Par exemple, si c'était la question de quoi j'ai besoin maintenant, faites fun, créativité, plaisir. Donc vous vous doutez bien que là, dans la compréhension mentale, c'est que vous avez besoin de remettre un peu de légèreté, un peu de créativité, du fun, de quelque chose de plus léger et plus festif dans votre vie. Ça, c'est au niveau compréhension mentale. Mais il y a quelque chose qui se fait au niveau énergétique, vibratoire, peu importe. Mais il y a quelque chose qui se fait au niveau de votre corps aussi. Et l'information, en fait, passe entre la carte et votre corps. C'est ça le grand intérêt, en fait, des oracles ou des tarots. C'est qu'il y a des informations à plusieurs niveaux. Donc de la compréhension mentale, mais il y a de la compréhension corporelle et de la vibration. Donc il y a un soin qui se fait automatiquement avec la carte. Je dis soin, mais il n'y a pas que. Ça peut être aussi de l'information, ça peut être aussi de la... Ouais, transformation, information, soin. J'en oublie peut-être, mais c'est vraiment de cet ordre-là. Quand vous dormez en fait avec une carte dont vous avez besoin sous votre oreiller, vous imaginez même pas tout ce qui se passe pendant la nuit et les rêves que vous pouvez faire pour avoir plein 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 d'informations et de transformation aussi, hein. Les rêves sont vraiment de beaux outils de transformation. Donc voilà le jeu en fait que j'ai créé. Avec, j'ai fait toute une formation en fait pour pouvoir apprendre tranquillement, facilement à l'utiliser. Et donc pareil, je n'ai pas fait de livret finalement, en tout cas pas pour l'instant, peut-être qu'il arrivera plus tard. Je n'ai pas fait de livret parce qu'en fait, je me suis rendu compte, même moi en fait, quand j'ai un livret associé à un jeu, je ne fais pas l'effort en fait de ressentir la carte et je vais voir la signification de la carte. Donc là, j'ai quand même mis, je suis pas vache, hein, j'ai quand même mis la signification de la carte. Et j'ai fait une petite vidéo par carte qui donne en fait la direction ou l'énergie principale. À savoir qu'il y a toujours beaucoup plus profond, beaucoup plus large, beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus profond et plus large dans la signification d'une carte selon les tirages que vous faites. Et selon les connaissances en fait que vous avez vous déjà à l'intérieur de vous, en fait quand vous faites un tirage, c'est pas juste ces cartes, c'est toutes les connaissances que vous avez et toutes les intuitions que vous avez et toutes les connexions avec les autres que vous avez qui se rajoutent en fait au jeu. C'est un ensemble. Quand vous faites un tirage avec un jeu de cartes, c'est vraiment un tri-party si vous le faites à quelqu'un d'autre, ou un double party quand vous le faites que avec vous. Il y a l'énergie des cartes, il y a votre énergie à vous et il y a l'énergie de la personne. Et il y a des jeux de miroir, il y a des jeux de partage d'énergie, il y a des jeux de compréhension mutuelle. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en fait dans un tirage de cartes et c'est ça qui est passionnant et c'est ça qui permet de toucher juste là où ça a besoin d'être touché. Quand on fait des tirages aux autres, ou quand on tout fait à soi aussi, mais je trouve que c'est plus impactant encore quand on le fait aux autres parce que c'est pas nous et il y a justement ce miroir qui peut se faire beaucoup plus facilement que quand vous le faites à vous-même, où le miroir il est un petit peu plus compliqué à regarder quoi. Mais c'est très impactant aussi et c'est vraiment très aidant. Surtout quand on commence à avoir des prises de conscience qui remontent. J'ai une cliente ce matin qui a des prises de conscience en fait sur ça y est, des jeux qui se jouent en elle, des automatismes qui se répètent et que
Ah, là, elle s'en rend compte, mais du coup, elle ne sait pas encore comment faire autrement. Donc là, l'intérêt du jeu, il est absolument magnifique parce que de pouvoir proposer en fait une autre façon de faire ou de pouvoir demander au jeu qu'est-ce que je peux mettre à la place, d'où ça vient, quels sont les bénéfices secondaires à avoir cet automatisme, qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je peux mettre en place. Voilà, ce sont les genres de questions en fait que vous pouvez poser à un oracle et entre autres à celui-ci et qui vont vous permettre d'avancer en mettant beaucoup de compréhension, beaucoup de libération, beaucoup de ouais, bouger les énergies, enfin, y a vraiment de transformation intérieure alors que ce ne sont que des cartes à la base. Donc on peut croire que c'est vraiment juste des cartes à jouer. C'est ce que j'ai cru longtemps, moi, hein. J'avais un petit air un peu hautain, on va dire, par rapport aux cartes et aux oracles et tout ça. Même si ça m'intéressait, mais j'étais un petit peu moqueuse, on va dire. Donc il m'a fallu un certain temps pour rentrer dans les cartes, et ça s'est fait donc l'année dernière. Et maintenant, j'avoue que je ne m'en passerai pas parce que c'est vraiment une grande aide au quotidien pour pouvoir faire ben, des petites transformations ou des grosses transformations régulièrement. Donc voilà mon jeu. Si vous êtes intéressé, bien sûr que vous pouvez l'acheter. Il me semble qu'il y a le lien là. Il y a donc toute cette formation qui vient avec, et puis il y aura des zooms de temps en temps, ou zut, je vous mettrai d'autres vidéos où on fera des réunions, des webinaires pour vous donner encore un peu plus d'informations, pour faire des tirages, bien sûr, parce que j'adore ça, donc pour vous en faire. Et puis bah, que vous appreniez vous aussi petit à petit à les faire vous-même, et puis prendre vraiment de l'assurance parce que tout le monde peut le faire. C'est vraiment pas quelque chose d'ésotérique total, enfin des connaissances qu'il faut apprendre pendant des années. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se fait sur le tas, qui s'apprend sur le tas. C'est pas quelque chose où il faut lire un bouquin pendant des années et apprendre et réciter. C'est quelque chose d'instinctif. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois et c'est comme ça que j'ai créé ce jeu. Et c'est comme ça que j'aimerais que les personnes l'utilisent. Voilà. Clique, partage, abonne-toi à ma chaîne si tu veux continuer à suivre les vidéos. Il y en a quasiment une par jour qui sort. Et puis si tu veux prendre rendez-vous avec moi, bah, tu cliques sur le lien qu'Alain lit et on fait un rendez-vous découverte ensemble. Je serai ravie de te rencontrer. À très vite!